Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne L'Évangile 777 et vous allez suivre la leçon de l'école du sabbat avec le présentateur Dilus Félix. Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous pour nous capables de dire la leçon de l'école de la semaine maintenant encore. Pour t'aimer, mais qu'on est plus sur les leçons, ça n'a pas devant nous maintenant. Animal, ça y est, parler non, quatrième animal là, c'est l'homme qui pille. Très important dans la leçon 8 là pour ce maintenant que nous avons dit dans le chapitre 7 dans le livre Daniel là. Mais pour comprendre bien, suivez la vidéo depuis le commencement jusqu'à la fin pour comprendre. Nous allons entrer dans la zoologie Daniel là pour voir l'animal ça pour comprendre ensemble avec nous. Nous saluons l'Adventiste qui est dans Montréal, Canada, par exemple Lydie Chantinet, madame, et Yvni Ajax, et tout Adventiste aux États-Unis. Nanoak, New Jersey. Mr. Jackson, PDG, Radio Tête à Tête. Nous gagnons dans le Brésil, Naola, Seret Pierre, nous gagnons Argentine, et Hannibal, nous gagnons Whistler Félix. Eh bien, c'est un plaisir pour nous capables de saluer les amis, nous gagnons Sénèque, dans l'église Mahanaïm. Il y a beaucoup de chapeaux, nous voulons pour vous. Bonjour, frère Florent. Bonjour, frère Félix. C'est, nous devons entrer dans la leçon pour ne pas faire trop de perdre du temps, parce que là, pour nous, nous allons entrer dans la leçon. De la mer déchaînée au lieu des cieux. Daniel 7, verset 27. La royauté, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple les saints du Très-Haut. Son règne durera toujours et tous les dominateurs le serviront et l'écouteront. Ça veut dire pour nous, quand nous parlons de la mer, pas oublier, c'est prophétie qu'on a dit pendant ce moment. Et prophétie, ça a eu fort, prophétie Daniel, mais vite, nous sommes capables de prêter attention. Avec prophétie, ça nous va étudier là. Pas oublier, on parle de la mer dans la Bible, dans la partie prophétie. On va dire, par contre, on va tirer zin ou pour ramasser poisson. C'est un autre bagage, il n'y a pas l'eau. Et il dit, nous, verset A, son espoir. Son espoir, le peuple mondial gagne pour gagner le royaume pour eux. Et que le bagage, ça, c'est pas nous allons voir, puis devant dans les soins. Pas oublier, c'est dans Daniel chapitre 7, verset 27, nous avons nous pour nous tout le livre Daniel là. Pendant que nous avons fait les leçons dans la semaine là. Bon, frère Florent, nous avons passé dans la partie dimanche là. Qui c'est? Quatre animaux. Bien, c'est quatre animaux. Mais frère Florent, avant de rentrer dans la leçon dimanche là, et pour nous capables de parler avec vous, il faut que nous prions. Hein? Nous cherchons présent, c'est plus ça. Ah, nous prions, vous voulez prier pour nous? Je prie pour nous. Ok. Notre Père, Papa, nous qui sommes dans le ciel là. Nous disons merci. Côté, nous pouvons étudier belle leçon ça pour capable de nous. Comprendre pour nous capables de comprendre. Et les gens qui écoutent nous, sont capables de mettre en pratique pour servir la vie éternelle. T'as oui, papa, pardonnez péché nous, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Bon, frère Florent, nous entrons dans les animaux, nous parlons de quatre animaux, pas vrai? Dans la leçon dimanche là, nous parlons de quatre animaux. Mais pas oublier, dans la leçon dimanche là, nous demandons pour nous lire le livre. Daniel chapitre 7 là. Yo mande pou nou li tout chapitre là, nous pas voulu li tout chapitre là. Yes. Puisque nous grand dominer les soins, nous voir qui ça animaux ça représenter et puis devant n'a capable et joindre partie dans Daniel 7 là pour nous li. Animaux ça yo parler nous, c'est même bagay qui nous te wè nan et statue ou Nebikan des artefa. Yo parler nous nan et quatre animaux ça. Faut appeler nous connait nous à petit Dieu. Les quatre animaux. C'est quatre animaux, ça ou père bête? Bon, ça me bien de faire Félix. Ou pas besoin de père bête, ça pas pour rien, c'est dans zoologie. Mais ils vont pas nous mettre dehors, nous regarder. C'est ça même. Ça pas pour rien. Pas oublier. Nous, ou même qui est ensemble avec nous, nous invitons pour qu'ils viennent ensemble avec nous pour nous capables de déchiffrer bête ça, qui bête ça, et qui ça représente. Et ce que vous comprenez, ensemble avec nous, suivez avec nous pour nous capables de bête ça, qui genre de bête, qui ça représente, est-ce que sont bêtes comme ça. Et bien, nous, dans les soins, frère Fréga, nous parlons dans la statue de Nebuchadnezzar, qui c'est tête d'or, partie bronze, partie
partie fer. Plusieurs parties, il y a partie hortense, agile, non pas quelle partie. Eh bien, dans les quatre animaux, il y a même bagaille là. Il y a nos lions, il y a nos lions, il y a nos léopards, il y a nos loups, il y a nos loups, il y a nos encore. Si je ne dis pas le savant, il y a nos léopards, il y a nos loups, il y a nos léopards. Et après ça, il y a nos bêtes. Espanté que mon pas capable de comprendre bête là. Il y a mon qui regarde bête là. Un monstre. Et bête ça son bête qui fort en pile, il a gagné 10 cornes. Frère Flegrand, nous on lion premier bête là c'est lion. Lion ça nous est lion, il a gagné 2 ailes. 2 ailes ça yo, nous elle gagné c'est force et roi et babi roi babi dans qui c'est roi Nebuchadnezzar. Et 2 ailes ça c'est une mettre balle plus sagesse en vigueur et puis ça te balle plus au gueil là. C'est à cause d'orgueil ça, moi j'ai fait passer 7 ans en mon réserve, et bien ça a été arraché. Vous comprenez? Ça a été arraché. Et bien, nous, et c'est ça exactement, M. Terre, mais qui me pouvait vraiment, et ça fait l'été, monter plus avec orgueil. Vraiment, Frère Félix, nous avons une bête qui semble avec une lous, et qui a 3 côtes dans la bouche. Li. C'est bien ça, et bête ça, vous regardez, c'est ça, il a 3 côtes dans la bouche. Li. Et bien, c'est un bête ou a gardé dans bord de l'eau pour le gombo qui pire. Ça, c'est med et l'épaisse. Et parti ça qui pire, c'est parti et med là lui-même. C'est parti pèse là lui-même qui pire. C'est le mec qui dit j'ai plus fort. Pour que c'est le mec qui dit. Gambi qui va comprendre ça dans la Bible là. Je pense que c'est med là qui était avant. Et bien, c'est pèse là qui était. Ça dit j'ai plus dit. Et bien, l'eau est dans ça. Quand ça, le rentre de côté, c'est frappé ou frappé, déchiré. Et ça, pour voir, il paraît fort comme ça. On ça c'est parti med et pes par côte ça qui dans bête ça on c'est trois côtés pays force ça été envahi été prend parce que dans pays ça parce que bon l'idée vraiment yo ba au Égypte yo ba au Égypte l'Égypte ouais c'est trois pays ça été fait intervention été prend mais pas oublier les rentre fait intervention des monde qui mouri yo pas rentre pour prendre monde puis monde pas mouri grand pile monde qui mouri n'a pas n'a plus ba yo ban non léopard bien. Léopard, ça, il n'y a pas loin, c'est pas de Grèce. C'est Grèce lui-même qui est venu entrer, lui-même qu'on n'a pas oublié, dans la statue là, il a démontré, dans le démontré, il a mis tout le bagage ça. Et bien, en plus, il a passé fouche, il a tombé par Grèce, il est arrivé par Alexandre. Alexandre, lui-même, il a changé les grands, lui-même qui a fait. L'entrée avec force en pile, il a frappé Dieu, il a dit tout droit en pour lui. Et bien, il a parlé de Léopard, son bail qui est rapide. Li. C'est rapide. Et ça, quand il est venu, il prend tout droit en pour lui, il dit tout le monde en pour lui. Même j'ai avec le groupe Léopard qui était en Haïti. Exactement. Et donc, Léopard, il dit même moi, je suis intéressé avec Léopard, je suis petit tête malé là-dedans. Mais moi, je suis pas rapide. Il devient grâce. Il est rapide, nous tous, nous sommes en train de nous dire. Et ça, il a présenté Alexandre. Donc, on l'est au pas. Et bien après Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé? Alexandre dit seulement un petit temps pour te diriger. Et donc, comme Dadou, c'est même pour voir des gens avec Jésus-Christ, même Jésus-Christ battant un peu le temps, il devait dire tout le monde là, il ne va pas dire ça, mais des gens qui ont marché d'elle en secret. Mais oui, Alexandre, des gens plus le monde derrière, des gens là pour lui. Et ça, que Alexandre fait ça, il vient quitter quatre royaumes qui ont dirigé. Ok, ok. Bon, vraiment vrai, c'est. Belle bagaille, les nous viennent partir en bas vraiment yo ban nous comme ça on bête terrible et qui effrayant et extraordinairement fort. Frère Flegrand, on connaît bête ça yo de parler de il doit parler de bête là il te gagne 4 ailes vraiment 4 ailes ça c'est 4 royaumes qui après roi ça il devine mourir il te quitter 4 pays qui a dirigé reprendre pour monter force ça premier pays à nous joindre et parti. Et nous venons voir ça que tu as Azimine, qui était de Lysimique, c'est lui qui a dirigé la partie Azimine. Okay. Et après ça, nous venons l'autre encore, qui a dirigé dans l'Égypte, Ptolémée, qui a dirigé Ptolémée, qui a dirigé en Égypte. Ça, c'est tout pour ça, après monsieur. Okay. Et puis après ça, nous venons encore, dans Azimine, toujours, il y a l'autre partie, dans la partie Sid, dans partie nord toujours nous joignons l'autre qui a digéré c'est le cus c'est lui qui a digéré n'a pas dit ça et puis nous joignons la dernière partie nous joignons donc qui a digéré les Cassandre dans Macédoine vous comprenez Macédoine dans l'autre partie qui a digéré dans côté mais c'était sorti dans côté vraiment vraiment côté mais c'était sorti à les mêmes mémoires Alexandre et bien nous est qu'on va au dernier fait bien comme nous t'as parlé où partie statue là qui était partie roi de Nebuchadnezzar qui était représenté par lion qui était des ailes là nous comprenons
Eh bien, il m'a commencé dans 606, il était revenu à 539. Et après ça, les maîtres des Perses, mais ils viennent pour aller même pouvoir la diriger. Ils viennent à 331. Mm-hmm. Il va partir ça, il force ça, il va terminer à 331. Après ça, nous joignons parti Alexandre là lui-même, qui était 4 là lui-même. Mm-hmm. Il pendant 331, il vient terminer dans 146. Après ça, nous connaissons la partie ça, il y a 4 zèles lui-même, il y a 4 royaumes qui dirigent, qui ne sont pas jamais mis ensemble. Les bagages, si vous mettez tout en place, vous avez des lits, vous pouvez mettre dans la tête. Vous oubliez, nous tous, ça bien, qui mettez dans la tête pour dire mon nom lui-même. L'homme a demandé explication, vous avez une explication. Quand on a ça qui passe dans l'autre bête, il y a une définition de toute l'autre bête. Nous avons des 4e bête là, qui sont bêtes que nous ne pouvons pas comprendre. Il y a un qui dit l'assemblée avec l'os tout, il y a un qui dit l'assemblée avec. Léopard, mais qui n'a pas fini de comprendre. De quand il semble avec un bacard. Voilà, bon, il y a son bacard. Les gens qui ont parlé de bacard, ils ont parlé de moi. Les gens qui ont dit bacard, c'est moi qui ont fait la couvrir. Oui, parce qu'il n'y a pas de qui ça ressemble. Exactement, bien. Bête ça, son bête, je dis non, effrayant. Bête ça, je dis où qui ça gagne la donne. Les gagnants, discount. Discount. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, c'est dans la partie fait en bas, dans la statue, là, qu'on est arrivé dans le pied, là. Qui vient dans les orteils et tout. Il n'y a pas de pierre lui-même, il est mélangé. Vous comprenez? Mm-hmm. Puis il a été mélangé avec fer et argile. C'est même bagaille là, ça nous est là. Parti, bête, ça va regarder là lui-même. Ça lui-même, ce n'est pas l'autre bagaille. Parti, ça a été pour pouvoir parler là lui-même. Dans l'année 146 là, arrivé 476 après Jésus-Christ. Dans le moment, ça a été un gros mouvement qui est fait. Gros moment de persécution qui était refait. Ça nous une rom païenne et rom papa dans partie ça. C'est dans tout ça de jeune dans partie et bête ça que nous nous là. Son bec est très voyant et le parlant de 10 comme ça parle là, c'est 10 pays qui dégain pour avec pays ça qui pas pays pour avec Rome. Ils ont 10 pays. Dans 10 pays ça, il y a 3 là-dedans qui devine éliminer. OK. Ils ont gagné 3 qui éliminé qui était 7. Mais sept pays secrets, il y a même un petit pays qui est en dedans. Mais nous n'avons pas oublié de prendre le temps de citer les pays à bas. Okay, okay. Au nom de l'autre leçon, nous sommes capables de citer les pays à bas. Vraiment, frère Félix, on est passé dans la partie lundi parce que nous avons aussi tellement fait, tellement fait peur. Bon. Pour nous passer dans la partie lundi pour nous comprendre les pays. Comme si vous voulez oublier les pays au courant. Non, on ne va pas faire les pays, mais on ne va pas faire rien. Et maintenant, passer dans la partie lundi, vraiment qui parlait les petites connes. Okay. Les petites connes. Nous, comme ça, ça qu'on le dit. Et bien, qu'on le dit pouvoir. Pouvoir et pouvoir force. Et bien, c'est un règne. Nous ne sommes pas des règnes, nous sommes des royaumes. C'est royaume. Ça qu'on a symbolisé. Okay. Et bien, nous, pour nous passer ça, nous avons pour nous lire Daniel chapitre 7, verset 7, verset 8, verset 19 à 25. Avant, c'est là. Verset leçon dimanche s'arrêter pour nous capable lire verset ça nous gagne un monde qui va lire verset pour nous capable un but de leçon d'après-midi. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici. Une autre petite corne sortit du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette petite corne. Et voici. Elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Sur les 10 cornes qu'il y avait à la tête et sur l'autre qui était sorti devant laquelle 3 étaient tombés, sur 7 cornes, qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux
jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les discornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints du Très-Haut seront livrés entre sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Frère, on s'entend de ça, on dit, dans verset là. Eh bien, les autres comme ça, et c'est le quatrième animal, ça nous parle là, qui nous dit où, qui est différent, qu'on ne peut pas identifier. C'est ça. Et même, il a parlé dans la partie lundi. Et bien, l'animal, ça lui-même, il est différent, il fait un pile ravage. Mais c'est l'animal, ça nous dit, qui commence à régner de 146 à 476 après Jésus-Christ. Nous avons passé dans la partie Madia, frère Florent, qui vient pour sous-titre, les juges. Sassir. Après, vision 4 bêtes là. La vision 4 bêtes là. Dans Daniel 7, verset 9, je m'en donne pour nous dire. Mais nous pas besoin de lire, nous avons certaines explications. Il y a besoin pour nous lire verset 9, verset 10, verset 13 et verset 14. Je parle nous de l'ancien. C'est la jugement après le fait. Jugement, ça y a parlé là, frère Flérant. Je parle nous dans cela, il y a deux jugements. Oui. Jugement investigatif et jugement complétif ou du moins jugement exécutif. Et ça. Jugement, et ça parle nous là, l'ancien des jours placé pour et donner le pouvoir pour juger. L'ancien des jours, qui est-ce, vous comprenez? C'est Dieu. C'est le fils de l'homme, c'est Jésus. Eh bien, Jésus, toujours à plusieurs reprises, il doit parler avec les disciples. Papa, pas juger personne, ces petites-là, il va mettre tout pouvoir pour juger. Eh bien, non pas pour juger, bon Dieu qui a jugé, mais il parle de l'ancien des jours, c'est Dieu. Et le fils de l'homme, c'est Jésus. Il parle de le fils de l'homme, puis devant tout, il n'a pas pu être trop sur lui. Eh bien, il parle de jugement investigatif, là, il y a fait des deux chrétiens. Moi-même, ensemble avec vous qui acceptez Jésus comme sauveur personnel, non, jugement ça a commencé pour nous. Mais pas oublier, jugement investigatif là, il a commencé depuis 1844. Les millénaires même ils travaillent pour la préparation du retour de Jésus. En plus, le monde est foqué sur Jésus qui t'a retourné. Et ça. Mais Jésus qui va retourner. C'est comme si tu as sauté dans l'étape pour te passer dans l'autre étape. Qui veut dire que tu as sauté dans le lieu saint pour t'entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, Jésus-Christ, il traversait le lieu saint pour l'entrer dans le lieu saint en 1844. Dans mon époque, ça, il y a un jugement investigatif là, il a commencé. Jugement exécutif là, qui est-ce qu'on a fait? Jugement exécutif là, il y a pour le fait après 1000 ans. Et bien, on parle du saint pour recevoir le royaume, non? Dans les sons, il y a un idée. Et du saint pour recevoir le royaume, qui veut dire, les gens retournent sur terre, les gens qui se laissent, il n'y a pas le saint, les gens qui sont Jésus, les gens qui bon Dieu, c'est servi de bon Dieu, mais ils vont laisser le royaume. Les gens qui sont persécutés, ils sont morts. Dans l'époque, ça, on parle de un temps, d'être dans la moitié des temps. Là, on parle de un temps, des temps et la moitié des temps. Un temps pour année, pour la prophétie, c'est intention année. Et des temps, c'est des années. Et puis, moitié un temps, c'est 6 mois. Là, on vient multiplier, là, on vient jouer, on vient pisser, on vient 42 mois. Et bien, où persécution, ça a commencé dans 538, il a abouti à 1798. Et bien, il y a partout avec 1260 jours. Pour comprendre la prophétie, ça, on va multiplier 42 mois, ça, au gain là. Avec 30, là-bas, exactement, 1260 jours. Persécution, ça, lui-même, il dit pour eux, avec venir de Jésus, tout, les Jésus fait, et vont détruire Jésus. Et non, je ne sais pas, Apocalypse, chapitre 12. Et ils vont détruire Jésus, bon, ils disent, bah, Joseph, l'autre, pour déprendre, puis ils là, avec Marie, pour la cacher en Égypte. Et ils vont ça, ils disent, bah, possibilité pendant 40 et 1260 jours, pour nourrir dans le désert.
Vous comprenez? Ah, mais ça a une phase pour vous avec Jésus-Christ. C'est au 1260 jours. Mais nous toujours dans la phase de Roche-là qui est venu pour te choquer une statue-là. Mais si Roche-là dit, nous, nous disons, laissez-moi le royaume. Et pas qu'on a laissé-moi le royaume. Laissez-moi le royaume après 1000 ans. Et pas oublier, Dieu dit nous ça, il espère changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la majorité de temps. Je ne peux pas parler de changement ça. Changement. L'homme, c'est moi qui est venu, il est tenté dans 321 et Constantin dit que tu prends chance pour te changer samedi en dimanche. Il change samedi en dimanche, mais pas de persécution pour le monde qui n'a pas doué dans le sabbat. Il y a plein de monde qui est dans le moment ça. Peut-être après ça, on fait. Eh bien, malheureusement, on n'a pas doué dans le dimanche, on n'a pas doué dans le sabbat. Mais à un moment qui est il va poser un scellé pour le monde qui travaille samedi, pour travailler samedi, pour dimanche. Puis à l'église, pour nous parler l'église dans samedi encore. Et laisse ça, il va le persécuter. Chrétien, laisse ça, la magie là-bas, il va l'enviguer. Pour le jeune, il n'y a pas de problème pour ça. Puis nous voyons le monde, nous, 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 pour nous accepter. Non, pas de problème pour ça, jeune, je tout autant que nous voyons pour persécuter les adventistes. 17e jour, pas de la magie de la bête. Quand vous votez, dites-moi, comme je vous réponds à persécuter le monde, il y a une persécution pour les adventistes. En plus, le monde va prendre une décision pour être capable de connaître qui est-ce qui a marché, avec qui n'a pas marché. Bien, nous apprenons dans quelques notices, ou pas dire dans notices, non, dans quelques journaux. Japon, les mecs prennent décision pour une état de travail pendant ce maintenant, 4 jours dans ce maintenant. 4 jours dans ce maintenant. C'est arrivé pour nous, bon, c'est pas vrai, Florent. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous, en pile. Là, nous avons travaillé de lundi à jeudi. C'est de nous 4 jours, oui. De lundi à jeudi, c'est bon pour nous. Eh bien, c'est ça, mais nous ne connaissons pas. Seulement, nous avons une prophétie à lui-même. L'a accompli, Japon y est vlé. C'est pas jamais l'homme vlé. Quand la tentative l'homme fait, ça veut dire que le café là, c'est lui-même qui a fait. Mais pas oublier, et prophétie, c'est prophétie. C'est pour un jeu de lié. Eh bien, Fabre, nous ne pas camper tout. Nous, on a passé dans la partie mercredi. Mercredi. Si vous avez une question pour poser, je ne sais pas si vous avez une question pour poser. Non, vous avez posé une question. Non, on a entré dans la partie mercredi. Très bien. On a posé la partie mercredi. L'avenir du fils de l'homme, Noé, Jésus-Christ lui-même, après le jugement investigatif, là, eh bien, s'en est fait prononcer. Il y a un fils de l'homme qui est pour venir chercher le peuple. Premièrement, c'est les morts en Christ à ressusciter et les vivants en Christ à transformer pour rencontrer avec Jésus dans les nuées. Et après ça, on va passer 1000 ans. Après 1000 ans, la terre reste pour tout temps, pour toute éternité. Après 1000 ans, ça, pas de souffrance, pas de la mort, tout bagage a fini, c'est réjouissance pour le peuple bon Dieu. Fils de l'homme, il a parlé nous dans Ézéchiel. Il a parlé nous Ézéchiel, fils de l'homme tout. Mais bon, il a parlé avec Ézéchiel, prophète Ézéchiel. Il dit fils de l'homme, c'est avec Ézéchiel il a parlé. Mais là, nous parlons dans le Nouveau Testament. Le fils de l'homme, nous parlons l'autre monde, c'est Jésus-Christ. Et ça. Jésus-Christ lui-même, l'a venu chercher le peuple là pendant 1000 ans, pendant après jugement investigatif là, terminé, son affaire, pour déclarer, pour déclarer fermé. Jésus a venu chercher le peuple là. Le peuple a passé 1000 ans avec Jésus dans le ciel. Et après 1000 ans ça. Peuple a dit qu'il y a bien, il y a pour lui. Et ça, le royaume n'a pas le remettre avec le peuple bon Dieu. Mais pour moi, je dis que les gens qui ont persécuté les chrétiens, que tu n'as pas de possibilité pour le royaume. Malgré le royaume de Jésus-Christ, mais il n'y a pas de pouvoir. Parce que si on a le faire travail, pas de les gens qui prononcent la parole, l'arrogance contre les très hauts, ce n'est pas l'autre chose qu'ils font, ils pardonnent les péchés. Jésus-Christ a pardonné les péchés, les gens disent qu'il a pardonné les péchés. Ils ont dit comme ça, Jésus-Christ blasphémé. Est-ce que vous comprenez? C'est pas ce bon Dieu. C'est pour Dieu seul qui nous a pardonné les péchés. Jésus dit comme ça, le monde bon Dieu vient dans la chair, il a un pouvoir pour pardonner les péchés. Tu connais ça, Gélé? Bon, je suis capable de faire un commentaire pour Félix. Nous avons pensé que c'est un monde lié, parce que si c'est un monde lié, comment faire un monde qui a pardonné le péché au monde si nous connaissons celle Jésus qui a pardonné le péché au monde? Bien, frère Flegrand, tu connais un monde qui représente Ticone. Au moins, c'est ça qu'on a parlé au pouvoir. Est-ce que c'est un monde ennemi à utiliser pour faire travail ça? Est-ce que vous comprenez? Nous sommes capables de voyager, par exemple, lors du professeur Ali, il y a 10 connes, il a arraché 3 connes, il a été 7, et puis c'est une partie, ça a été une conne qui est montée. C'est des connes qui ont fait, qui ont parlé à l'organe, qui ont foncé des bagailles. Et bien, ça, c'est l'église liée qui dit, on va représenter Jésus-Christ sur terre, il a dit qu'il y a une faillite, par exemple. Bien, on a parlé, le monde va mieux, c'est l'équivalent de parler du pape. Il y a un faillible. Si on dit, l'imi a libéré couleur vert, c'est pour accepter. Tout ça, on dit, c'est ça. Mais, ou même qui dit la Bible, ou pas quoi. Donc, comme si on était fait dans beaucoup de voies de Miga déjà, on était obéi à bon Dieu, pas obéi avec adorer statue de voies de Miga déjà, et bien c'est comme ça nous-mêmes pour nous faire tout. Ou même qui a dit ensemble avec nous, obéi à bon Dieu, pas obéi à Salomon, tout ce qui n'est pas dans la Bible, il a dit que vous pouvez faire.
pas mais c'est seul bon Dieu. C'est bon béni oui. Et seul Jésus-Christ qui est capable de pardonner péché ou et seul bon Dieu qui est capable de pardonner péché. L'homme pas capable de pardonner péché. Et mais c'est ça n'a vivre nous dire. À au dernier jour l'on va gagner royaume bon Dieu dans nous va vivre en paix, pas gagner maladie, pas gagner péché encore. Monde ça va pas il va pas l'écraser. Et ça va parler nous là dans partie qui va ça que pour venir frapper statue pour écraser. Il pour venir écraser statue non, yo là en petit nombre. Manque livre prophétie, forme ta livre prophétie parce que tu connais ça pas jamais qu'on a des ticons ça hein. Bien frère frère, c'est pas au même seulement qui pour prendre décision pour les prophéties. Au même truc ensemble avec nous là, c'est pour les prophéties parce que qu'on est parole bon Dieu dit comme ça à la loi et au témoignage, on ne parle pas ainsi, il y a pas de pour les peuples. C'est pas les prophéties. On pas aucun côté parce que c'est normalement prophétie n'a pas vu. C'est pour les prophéties pour qu'on comprenne dans quel temps on va vivre, dans quel temps qui est passé, qui ça fait pour nous. OK, n'a pas très n'a pas dit qui dit comme ça, les saints dit très haut. Et ça nous va pas plus. Bien, et frère Fléon, vous avez presque envie de poser une question. Qui est-ce que les saints du Très-Haut? Oui, c'est qui est-ce que les saints du Très-Haut? Les saints du Très-Haut, c'est les personnes qui gardent les commandements de Dieu. C'est en Apocalypse 14, verset 12, Robin, qui dit c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Là où je suis côté que ou bien bazou pour voir où mon a cherché si mon pas connaît tout pour dire qui ça que les saints du Très-Haut est-ce que c'est les anges donc a dit mon aller dans Apocalypse 14 verset 12 en plein monde qui connaît monde qui a pas de saint regarder c'est saint non c'est pas science ça saint de la Bible dit c'est moi qui garder commandement bon Dieu et Très-Haut qui est lié c'est Dieu les saints du Très-Haut et bien mais ça dit non n'a pas je dis ça je dis pour nous lire verset 18 là verset 21 verset 22 verset 25 verset 27 verset 27 là c'est lui même nous te gain verset de mémoire là nous te écouter les saints du Très-Haut va gain pouvoir sur terre pour vivre bien et bien ça me capable dit m'ta capable dit comme ça tant que nous même cap garder moi même cap garder commandement bon Dieu mais son saint mieux pas vrai non pas dire comme ça pour que vous comprenne les anges dit ou c'est saint mais ou même ou pas cadre ou c'est saint parce que nous reconnaissons ces péchés nous les anges déclarent esprit déclare avec l'autre esprit dit comme ça nous c'est petit bon Dieu mon Dieu regarde comment nous c'est petit bon Dieu oui égal mais pas mais cap défendre tête pour dire mon c'est saint non les anges dit ou c'est saint est-ce que vous comprenez nous pas là pour nous vanter tête nous dénoncer saint mais vous regardez comment bon Dieu ça vous devez aller vous faire et c'est ça vous faire bien nous va récapituler les leçons ensemble avec vous nous connaissons les leçons que nous gagnons pour ce maintenant. Nous avons parlé au début de la monsieur Pablo de là, c'est de la mer déchaînée au milieu des cieux. Et bien, verset là, nous devons venir dans Daniel chapitre 7, verset 27. Côté que nous disons, les saints, lui-même, ils vont gagner pour vivre sous terre, tout droit, ils vont craser, et les saints vont vivre en paix. Et bien, c'est ça, nous avons dit ensemble avec vous pendant ce maintenant dans les soins. Écoutez, vous avez parlé de la pure qualité bête, pure couleur bête. Ouais, mais ça on t'a parlé nous, c'est pas bête, vous comprenez? C'est pas bête, on parle bête dans passage prophétie, c'est pas bête. C'est une question de on bagaille que l'explication on prend pour expliquer l'autre bagaille. Et ben nous pas nous pas prendre plus temps, nous inviter pour capable compléter tout ensemble avec nous pour nous faire un coup de prière parce que nous parle qui beau trop pour sortir pour le travail, voilà qui beau trop. On compléter nous pour nous capable prier frère là. Notre Dieu, notre Seigneur, nous bénissons d'être ensemble avec nous à travers les sons sérieux notre petit Dieu. Nous demandons qu'on puisse bénir chaque monde qui est ensemble avec nous ou qui a continué ensemble avec nous dans les sons au Père. Aidez-nous malgré les problèmes pour voir ce qu'on a, même nous-mêmes capables d'observer les paroles qui manquent et sortir pour obéir à principe avec examen tout qui a dégagé pour obéir avec principe pour eux. Aidez-nous, s'il vous plaît, Seigneur, pour qu'on puisse être ferme parce que y a une assurance que les gens viennent, ils cherchent des pouvoirs, ils ne peuvent pas prendre avec eux. Et après ça, après 1000 ans, nous allons retourner vivre sur terre pour tout le temps, pour toute éternité. Et de nous souffler, Seigneur, pour nous préparer pour un bon moment, ça, Seigneur. Parce que si nous souffrons sur terre, nous connaissons, de messieurs, nous ne pouvons souffrir, ça que nous espoir, nous capables de souffrir avec persévérance, Père. Bénis journée pour nous, accompagnez-nous, nous prions en nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir suivi la leçon de l'école du sabbat avec nous sur l'Évangile 777. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine leçon pareille. Merci et que Dieu vous bénisse.